Qu'est-ce que t'en penses, hein? Oui, alors là, on est au parking hein, du cimetière de Lèves. C'est le point le plus pratique pour se garer quand tu vas, quand tu ouais, vas au terrain. Ouais. On peut rentrer avec des véhicules, mais voilà, c'est plus. D'accord. Plus ou moins toléré, mais bon, moi je le faisais quand même. Pour emmener des gros outils et tout, on pensait, je crois, avec des véhicules et des roulants. Ok, d'accord. On va voir ça. Ouais. Super. On est arrivé là ? Oui, on est arrivé. C'est ça, c'est une parcelle qui a été rachetée par la mairie d'Olève il y a 15 ans de ça. Mmh. Et bon, il laisse ça dans cet état-là quand même. Ça aurait pas. Effectivement, s'il y a des petits cadavres, ça l'intéresse déjà. Il y a de l'air pour refaire pour faire une parcelle. Ah bah ouais, ça c'est là. Avec 1200 mètres carrés, il y a de quoi faire. Ouais. Et ça, c'est l'accès habituel. Hein. C'est, faudra passer par là. Les arbres un peu comment ça pousse. Donc là il y aurait éventuellement aussi, si jamais on passe régulièrement, il y a un truc à faire dans le chemin. Ouais. Faut foutre un coup de débroussaillage aussi là. Oui, faut commencer par ça. Et là on est sur ta parcelle. Ouais. Il y a des petits arbres fruitiers, il y a des. Là je vois un. Ça c'est un mirabellier le gros. Ouais. Ah là, il y a de quoi faire de la vraie permaculture, là. Ouais, là, je te dis... Ah oui, le, tu veux dire le petit, la petite forêt avec les... Donc là, il y a un petit pommier, ouais. Il y a des pommes, hein. Ouais, il y a des pommes. C'est le dernier. Passe-moi toi. Ah oui, c'est la limite. Ah oui, c'est vachement grand, ouais. 1200. Et toi, tu exploitais la totalité avant ? T'avais le... Non, j'en t'avais un petit bout là, et, un moment, il y avait et tu laissais un peu de coin sauvage aussi. Il y avait un collègue et sa femme là, qui venaient, qui cultivaient un peu de ce côté-là. Quoi. D'accord. Ça va jusqu'au grillage, là. Donc tu vois un peu le... Là, la limite de la forêt. Et il y a aussi une limite physique ? Il y a un genre de grillage, quelque chose. Ah là, il y a de quoi faire des chantiers, hein. Des chantiers débroussaillage. C'est sympa, ça. C'est super sympa à faire. Parce que là, tu vois ton... Tu vois le travail que tu fais, hein. Quand tu tapes là-dedans... Ouais. Ça c'est bien. Ouais, ouais. Je l'ai plus, quoi. Elle est partie. Quoi. Ouais, t'as même un petit abri alors, du coup. Bon, ça a pas l'air trop. Il n'y a pas l'air d'y avoir trop de passage. Hein. C'est un cabane dans les arbres. Et là, on dirait que tu avais des espaliers, ça, t'as vu? Ça, c'est un pommier en espalier. Ouais. Incroyable! C'est pas trop grand, c'est pas trop grand. Ça, c'est du tchard. Voilà, et là, je t'en manque, j'avais clair un bon, bah, on sait en quoi va consister le camp climat cette année. Hein. Il y a même les réserves d'eau qui sont déjà constituées. Oui, la terre elle colle au pied, hein. C'est de la bonne terre. Hein. Bah, le poulailler est très très bien. Il y a des beaux chênes.
au niveau permaculture, tu peux pas faire mieux. Hein. Ah bah là, là c'est nickel. Avec ouais. les mycorhizes et tout ça. Mycorhizes, c'est quoi? C'est les champignons qui sont dans le sol. Et comme tu as des grands arbres, des grands vieux arbres comme ça, ouais. Du coup, tu as un sol qui est très vivant, qui est très mycorhizé. Il faut mettre des bottes de paille un peu partout pour faire les endroits c'est où ça. On va pouvoir cultiver. Tout à fait. C'est ça? Exactement. Et la terre, t'as vu les vers de terre qu'il y a là, les turricules de partout là. Et là, on construit une maison. Ah ouais, ah ouais, bah ouais. Petite carterre. Une prochaine fois, il aura l'occasion de revenir. Ouais. Bon, bah, Daniel, c'est une bonne proposition que tu nous as fait. Hein. On trouve ça intéressant. Hein. J'aurais fait ça beaucoup plus tôt quoi, si j'avais. Ouais, bah oui, mais enfin, faut pas regretter, hein, je veux dire. Mais... Et derrière, ça fait quoi? Elle est où la fourmilière? C'était juste derrière. Ah derrière, par là, dans ce coin. Touché, ah ouais, c'est ça, c'est une petite orchidée ça. Ah ouais, elle est belle, oui, une petite offrisse. Bon bah écoute, elle a pas mis son indicateur. Son permis de construire. Exactement. Là, il y a un cerisier, mais qui n'a pas trop de scie, quand même, quelques bouts, deux, trois, cerises. Ouais, il y en a quelques-unes. Hein. Ouais, il y en a quelques-unes. Tout n'a pas gelé. Il y a du potentiel. Tu m'étonnes. Moi, je proposais qu'on rase tout et qu'on fasse une petite résidence, tu sais, des immeubles. Ouais, c'est pas mal, ouais. Je pense que ça. T'es dans la promotion immobilière, toi. Je pense que ça. C'est ton nouveau métier. Ouais, dans notre projet Cicadap. Je pense que oui. Ça irait avec la société. Oui, mais bien sûr, en éco-construction. Voilà. Ah, faut pas déconner quand même. Hein. Oui, on ferait bien avec moi. Ah oui. Moi, je participe. Hein. Ça m'intéresse. Pourquoi pas? Pas trop, c'est de l'argile, elle est vachement, elle est un peu foncée, quoi, un peu marron. Dans les jardins, là, ils ont des... Ça a l'air de pousser, ouais. T'as vu les patates un petit peu comment elles sont en avance, hein? C'est énorme. Puis en plus, ce qui doit être bien aussi, Daniel, ici, c'est que ça ne doit pas beaucoup geler, parce que c'est un peu protégé par là. Ouais. Pour le. Oui, je pense. Ça doit être assez abrité en fait. Par rapport à Dancy, je me disais. Ah oui, c'est pas du tout pareil. Oui, ah ben voilà, c'était une question que je me posais. Ouais. C'est l'inverse. D'ici, voilà. C'est plus exposé. C'est un peu exposé. Chez Caroline ici, là, ça ressemble un peu. Oui, un petit peu, ouais. Un petit peu comme chez Caroline. Ouais. C'est le jour, c'est au moment où tu goûtes dessus que tu sais. Bah oui, hein? ouais. Tu sais manier ça toi? Non. ça se manie bien. Hein. J'ai un pendule, peut-être qu'il faut prendre un amandier ou quelque chose. Un amandier, alors là s'il y a un amandier ici, c'est exceptionnel. C'est peut-être un péché peut-être? Un péché divin. Mais ça pourrait, hein, si c'était possible. Non, ça ressemble plutôt à un péché. Mais ce serait le premier que je verrais dans la région.